Henri Pélissier, juin 1910. Je m'étais pointé à la boutique ce lundi de fin avril à 6h moins 5, comme tous les jours ouvrables. Le père Mijoie m'a attaqué d'entrée. Alors comme ça, tu as fait pareil, Dieppe, à vélo hier. J'ai approuvé d'un signe de tête, tout de suite en défense. Cela n'avait pas dû lui plaire. Sûr qu'il allait me donner mon compte et me saquer. Mais je me trompais. Il y avait au contraire dans son expression quelque chose qui ressemblait à de la considération. Une certaine déférence même, et il poursuivait d'un ton intrigué, plutôt bienveillant. Tu es arrivé combien? Dixième. Sur combien? Nous devions être 200 au départ, ou plus. Mais honnêtement, ne convenait-il pas de tenir compte des abandons? J'ai répondu que je ne savais pas au juste, et j'ai dû lui expliquer, cela l'intéressait vraiment, que je courais tous les dimanches et jours fériés, mais que j'avais rarement couvert une distance aussi longue, plus de 200 km. Si bien que j'avais pris le plus monumental coup de buis de toute ma jeune carrière. Oui, cela faisait beaucoup. Et tu as tout juste 20 ans. A-t-il conclu doctement. Tu n'as pas l'air très frais ce matin. Il ne m'apprenait rien. Les 240 bornes de l'aller sur la bicyclette, ce n'était déjà pas mal. Mais le retour en train de nuit sur une banquette de troisième classe, rembourrée au noyau de pêche, je crois que c'était pire. Je devais avoir les traits tirés et un teint de famélique d'armée du salut. Oui, tu n'as pas l'air frais, a-t-il repris, et tu ferais mieux d'aller te reposer. Vous y pensez pas, et ma paix, patron. C'était parti recta, la machine à calculer avait fonctionné instantanément dans ma petite tête, et je pensais déjà m'acheter une nouvelle paire de boyaux. Est-ce qu'il pouvait comprendre cela? Mais, à ma profonde stupéfaction, je l'ai entendu répondre. Cela ne fait rien, rentre chez toi. Je te la paierai ta journée. Tu vas quand même pas te crever au boulot si tu veux gagner un jour le Tour de France. Ce Tour 1914, je l'ai terminé second à 1 minute 50 de Philippe Tisse. Tout juste un peu plus de temps qu'il n'en faut pour boucler le dernier tour de piste de 666 mètres au Parc des Princes. 1 minute et 50 secondes, 110 secondes. Le temps perdu à lâcher le guidon à plusieurs reprises dans la dernière étape pour faire signe. Écartez-vous aux excités qui débordent et rendent la foule sur la chaussée. Un coup de frein pour éviter un imprudent gesticulant. Un coup de rein pour relancer la mécanique. Combien de secondes perdues encore? Mes observations pendant ces 28 jours, je les ai notées sur un carnet. En vérité, il s'agit uniquement de mes gains et des braquets utilisés. Un langage de professionnel qui dit tout en raccourci, la manière de tirer le meilleur rendement de notre instrument de travail et le salaire de nos peines. Par exemple, j'ai escaladé le Tourmalet avec un 44-22. J'ai poursuivi avec un 44-20 dans Aspin et Persourdre. Mais 44-21 eût peut-être mieux convenu avec l'accumulation de la fatigue. Quelle éloquence pour moi professionnel que ces chiffres. Nul besoin de longs discours. Ils contiennent dans leur sécheresse tout le drame de l'étape, la terrible défaillance qui m'a couché dans le Tourmalet. J'étais parti comme une bombe dans la montée d'Aubisque et seul l'ami Oscar Haig m'avait suivi. Bayonne-Luchon, c'est l'étape où se joue le Tour de France. Eh bien, ce tour allait être à moi. J'étais grisé, survolté et je ne sentais plus les pédales. J'avais pris ma musette de ravitaillement au vol à Barège. Et j'avais continué à la même allure. Dévorer un sandwich ou une tartelette, c'eût été dans mon esprit perdre un temps précieux. Nous étions déjà dans le Tourmalet, Haig mis pied à terre. Je restais seul en tête, comme j'avais prévu, comme je l'avais rêvé. Et d'un coup, à 3 km du sommet environ, un grand vide dans mon estomac. Et un manège qui tourne dans ma tête. La fringale, vite, je porte la main à ma musette. Et je répands dans ma hâte à mon piffré la moitié de la nourriture sur la route. J'ai commis la faute, oublié les doctes recommandations de Papa Manchon. Manger avant d'avoir faim et surtout éviter de s'alimenter dans une montée. Ding, ding, dong. Des cloches sous le crâne maintenant, des fulgurances et des ombres dans les yeux et du plomb dans les jambes. Je descends de vélo, j'essaie de continuer à pied. Je ne peux plus tenir debout, je m'écroule dans l'herbe. Je vois passer Lambeau, Tisse et 5, 6 autres coureurs que je n'arrive même plus à identifier. Et puis je retrouve un semblant de vie, je gravis la fin du col à pied. Je me remets en selle pour la descente.
Le vent de la course me ragaillardit un brin, trompeuse sensation. Au milieu de la moitié d'Aspin, je retombe dans l'herbe. Je me couche, au sens littéral du terme, et je m'endors, foudroyé d'épuisement. Henri Pélissier, février 1919. Ma pensée va à François Faber. De nationalité luxembourgeoise, il aurait pu se tenir à l'écart de cette affreuse guerre, mais il se considérait d'abord comme l'enfant de Colombe, où le bon géant a toujours habité. Il s'est engagé. Du jour où j'ai appris la nouvelle, j'ai pressenti qu'il n'en reviendrait pas. Il était sûr de sa chance, trop sûr, non par sottise, mais par naturelle confiance dans ses semblables. Pour lui, tout était beau, tout était bon. Débordant d'une vitalité communicative, il ne craignait ni Dieu ni diable. L'état de fantassin exige plus de prudence. Il a été porté disparu à Carency, près de Vimy, dans le Pas-de-Calais, le 9 mai 1915. La terre était tellement bouleversée par les bombardements que l'on n'a pas retrouvé trace de son corps. Longue est la liste de nos compagnons de peloton qui ne sont pas revenus. Je les revois tous. Octave Lapize, le frisé, et surtout le malin qui savait si bien nous embrouiller aux approches de l'arrivée. Lucien Petit-Breton, l'hyper nerveux, mon maître, avec son maillot bleu à parements rouges. Nous sommes partis du pont noir à Montretout, à fond de pédale dans la nuit. Vous pourriez trouver cela déraisonnable quand on s'embarque pour une randonnée de 342 km, y compris les détours, avec Tours justement pour terminus. Mais nous avons pensé d'abord à nous réchauffer. Le général Hiver a fait un retour brutal ce dimanche 17 avril, avec son cortège de pluie et de bise. Et puis nos bons amis, les cracks Rital, Girardengo, Belloni, Linari, sont venus nous provoquer sur nos terres. Un bon petit départ à la Pélissier, ça va leur donner à réfléchir. Nous roulons vent de côté, qui pousse les nuages vers le nord, mais il en survient d'autres en vagues sombres et compactes qui ne présagent rien de bon. Jean à la voine m'a affranchi à l'entrée de Versailles. « Suis-moi, Francis, on va prendre un raccourci. Le règlement nous donne toute liberté, vous le savez, de prendre l'initiative de notre choix dans la traversée d'une agglomération. À la voine, c'était la bonne roue puisqu'il est versaillais de souche et républicain de fibre. Et nous nous sommes retrouvés dans le noir, au fond d'une ruelle. » Le gars Jean s'était fourré le doigt dans l'œil. Ce n'était pas grave et même plutôt drôle. On avait tout le temps de revoir les autres. En montant groupe en groupe, nous sommes arrivés sur Henri, Honoré Barthélemy, d'Ilnoré, Motia, Tiburguen, Jusqueray. J'ai raconté notre mésaventure, histoire de chambrer le gars Jean qui aime tellement en installer. Et puis j'ai demandé machinalement, « Il n'y a plus personne devant ? » Un court silence. Et c'est le Noré qui a lancé, « Bien sûr que si, voyons, il y a Christophe !» Et il avait l'air de foncer drôlement. Mon sang n'a fait qu'un tour. Christophe ? Ah non, pas celui-là ! J'étais déjà en tête, fonçant drôlement, moi aussi, dans le vent glacial, et c'est Noré qui a crié grâce. Du calme, Francis, mets le frein. Cricri n'a jamais été devant, c'était une blague. Aux aurores, la neige commence à tomber vers Bonneval. Et tout de suite en tempête, impossible de lever la tête du guidon, les flocons nous aveuglent, les rafales de vent de côté nous écartent de la ligne droite et nous font dériver. Nous étions en transpiration après la séance de train des premiers kilomètres. Aux environs de 7h30, nous arrivons transis comme des grognards de la Bérézina au premier contrôle de Chartres, 88 km, arrêt Buffet, ça maugrait, ça rouspète dans notre carteron de brave. On parle de laisser tomber, tous ensemble, et tenez-vous bien, c'est Henri qui remonte le moral des troupes. Allons, jusqu'à Châteaudun, propose-t-il, là on verra. Nous n'avons plus de nouvelles d'Hérital, ils doivent déjà être dans le train pour Milan. Pour nous maintenant, c'est le blizzard du Grand Nord. Des rafales glacées, des paquets de neige que pourraient encaisser les chiens de traîneau, mais pas des chrétiens à bicyclette. On roule en crabe, les mains et les pieds gelés, la gueule en travers. De temps à autre, l'un de nous descend de vélo. On court pour essayer de rétablir la circulation du sang dans les extrémités, mais on glisse sur les minces semelles cyclistes. On se répand dans la neige, on se relève, on continue. Comment faire autrement? Il n'y a plus personne sur le bord de la route. Il n'y a même plus de voitures suiveuses. Et elles ont dû renoncer, leurs essuie-glaces ne fonctionnaient plus. Les moteurs étaient gelés.
La bicyclette, c'est bien plus solide, bien plus pratique. Elle fonctionne par tous les temps, elle au moins. La preuve, il suffit d'appuyer sur les pédales. Comme les autres, je plonge mes pieds dans un baquet d'eau bouillante. Je me restaure 2 litres de bouillon, un poulet entier, un bon coup de fine. C'est Byzance, mais le temps passe, il faut prendre une décision. On s'arrête définitivement ou on repart? Henri, sur une chaise voisine, sort un pied de sa bassine personnelle. Contemple avec satisfaction les chairs rougies qui ont repris vie. « Je peux pas aller plus loin, avoue-t-il. » « Comme je te comprends, grand chef, nous allons nous arrêter, c'est la sagesse même. Ce n'est pas moi qui vais te contredire. » Mais il ajoute aussitôt d'un ton définitif. « Toi, Francis, tu continues. » Et de préciser, tu es fort, beaucoup plus fort que n'importe lequel d'entre nous. Je suis sûr que tu vas gagner. « Oh là, frérot, pitié, je suis un être humain, moi aussi, pas une bête. » Et sous ma robuste enveloppe, j'ai mes fragilités, tout comme un autre. Mais la question pour lui est déjà réglée. « Tiens, prends ça !» Et il me tend son imperméable. Je suis seul dans la morne plaine et je pense cette fois que c'est gagné. Tout est silence. Je somnole presque en appuyant mécaniquement sur les pédales. Et soudain, un léger crissement derrière moi. Je me retourne. C'est Christophe, les roues de Christophe dans la neige. Satané vieux crocodile de vieux Gaulois. Il me faudrait son enclume de Sainte-Marie-de-Campan, le coucher dessus et l'achever à coups de marteau. Je repars rageusement et j'ai l'avantage d'arriver le premier encore au contrôle de Chinon. Il est 17h30 et c'est le 295e kilomètre de course. Il n'en reste plus qu'une cinquantaine. La neige a cessé de tomber, la pluie lui a succédé après une brève accalmie. C'est la dernière halte avant l'abordage. Quelques voitures ont repris la course depuis que la neige a cessé et Charles Raveau, le reporter, me crie au passage de l'énorme Ronan Pilin du journal Loto. « Tu es rôti, grand, tu as 2 minutes de retard » Croyait-il me démoraliser? C'est l'inverse qui se produit. 2 minutes, ce n'est pas terrible. Parce que j'ai fini de réparer, parce que je n'en aurais pas bavé depuis tant d'heures pour la peau, parce que la route est longue encore, enfin parce que Christophe est devant et qu'il ne me crèvera pas. Une tranche de gruyère à un bon coup de fine, je me sens tout ragaillardi, je repars avec un moral d'assassin. Je les ai eus en point de mire au bas de la côte d'Azel Rideau. Je les ai rattrapés et je les ai lâchés dans la côte de Ballon. Plus besoin de faire du cinéma. Ils n'avaient plus de figure humaine. Je terminais mes 3 tours de piste au vélodrome de la barrière de Gramont quand Motia est entré à son tour. La nuit était tombée. Je venais de rester en selle pendant 14h56min20s. Eugène Christophe s'est classé 3e avec 1min40 de retard. Je l'ai embrassé. On se sent frère d'armes après être passés ensemble, nous sommes passés tout au long de cette journée. Le vieux Gaulois, c'est fou ce que je l'aime, quand il arrive après moi. Charles Pélissier, janvier 1920. Notre père a-t-il eu une idée géniale ? En transformant sa vacherie laiterie en garage. J'ignore ce qu'en pensent les autres, mais le résultat en ce qui me concerne est que je baigne dans le cambouis du matin au soir au lieu de patauger comme le firent mes grands frères dans les bouses de vaches. Cela n'est pas plus exaltant. Mon père voudrait faire de moi un mécanicien d'élite pour que je prenne un jour sa succession. Henri lui a échappé, puis Francis. Jean a été tué à la guerre. Augustine ne compte pas pour ce genre de choses. C'est une fille. Alors il reporte toutes ses espérances sur moi. Ses 2 grands-fils sont devenus, contre son gré, des champions célèbres. Ils gagnent beaucoup d'argent, ce qui devrait les branler. Mais il n'en démord pas dans le fond de lui-même. Coureur cycliste, cela sert à ses yeux un métier de saltimbanque. Et il s'obstine à vouloir me convaincre d'entrer dans la mécanique. Pauvre cher homme, aveuglé par son autorité et ses volontés. Il ne veut pas se rendre compte que je ne serai jamais autre chose que coureur cycliste, comme Henri et comme Francis. Charles Pélissier, avril 1923. Nous approchions de minuit, heure à laquelle allait être donné le départ de Paris-Bruxelles. J'étais assis à la terrasse du café d'Agorneau à la Villette. En tenue de coureur, les jambes allongées pour la décontraction. Il pleuvait et je somnolais en pensant vaguement que cela n'allait pas être drôle. 400 km dans de telles conditions. Je calculais dans ma torpeur combien cela ferait d'heures de selle.
pas loin de 17 heures sans doute. Partis dans la nuit, nous allions arriver, ceux qui arriveraient au soleil couchant. Des traits, Huo, Brunier, mes équipiers, Otomoto, devisaient à quelques mètres, avec deux filles. Le ton de la conversation a monté. J'ai entrouvert un œil. Il et elle m'observaient. Très certainement, il et elle devaient parler de moi. Le regard de l'une des deux filles a croisé le mien et s'est attardé. Une belle brune à l'œil de biche, fardée à outrance dans une robe, comment dire, une robe tapageuse. Je connais. Nous en voyons souvent de semblables dans nos entourages. Des délurés qu'attirent notre belle prestance et nos cuisses nues. Et l'on sait comment cela se termine généralement. Ce n'est pas mon genre, je les préfère plus discrètes. Et puis j'avais nulle intention de faire une infidélité à ma petite fiancée, dame bicyclette, ma petite reine. En me rendant au départ, je suis passé près d'elle, et elle a fait un léger mouvement, à peine perceptible, pour me frôler au passage, avec un regard appuyé qui disait bien ce qu'il voulait dire. L'odeur de son parfum au muguet de coty m'a pris aux narines, et m'a tenu compagnie un long moment, encore pendant que je pédalais. Dès lundi matin, nous reprenions l'entraînement avec mes équipiers Otomoto. « Léon, en pince pour toi !» m'a soufflé Marcel Huo. « Elle voudrait te revoir !» Et j'ai répondu d'un ton supérieur. « Pouh ! Ça ne m'intéresse pas. Tout pour ma bicyclette, tout pour le métier. » Telle était la devise du petit Charles. Quelques jours plus tard, j'attendais mes camarades sur un banc d'Armenonville, à l'endroit où nous nous donnons rendez-vous pour bavarder après l'entraînement. Et qui s'est pointé ? Léon, bien sûr. Tous sourire avec toujours les mêmes promesses. Bien joué les copains. J'avais la touche. Et si je n'en profitais pas, il se paierait ma tête. Il me traiterait de rosière. On ne peut infiniment jouer le rôle de Joseph devant Madame Putifar. J'ai succombé. J'ai enfreint l'une des règles sacrées de notre profession. La règle d'abstinence. La chair est faible et elle devient diablement gourmande lorsqu'elle a été sevrée très longtemps. Trop longtemps. Laisse-le tranquille pendant 7 mois, il te laissera tranquille pendant 7 ans, dit je crois un proverbe chinois. Pour moi, cela a été un éveil somptueux. Je débordais de sève, et Léon est une personne ardente et experte, une sorte de prêtresse. Sa profession, disons que des messieurs de passage dont elle ne connaît le plus souvent qu'un prénom, tiennent une grande place dans son emploi du temps. Mais je n'ai pas montré trop curieux. Entre nous, c'est différent, c'est le vertige, c'est la fête. Léon, l'uronne, lionne, affamée, elle ne fait qu'une bouchée de mon grand corps. Elle se le dévore à grand feu d'amour. Naturellement, notre liaison est devenue le secret de Polichinelle. Comment voulez-vous que Léon passe inaperçu? Mettez un colonel sur le trottoir de droite et Léon sur le trottoir, oh pardon, ce terme est involontaire, sur celui de gauche. Faites passer une compagnie de fantassins. Elle fera tête gauche, spontanément, au mépris de tous les règlements. Nous défrayons la chronique. Un journaliste de l'auto me descend en flamme avec les meilleures intentions du monde, dans l'espoir de me ramener dans le droit chemin. Il écrit, par exemple, « La vigne a le phylloxéra. Charles Pélissier, lui, a le crabe. » Et il ne s'en tirera pas. Voici un jeune coureur plein de qualités qui devait simplement suivre le chemin tracé par ses frères pour réussir une brillante carrière. Il succombe aux premières tentations de la ville. Ce crabe d'ailleurs a toutes les séductions du monde. Il ne fait pas de mal, au contraire. On le supporte allègrement. Grâce à lui, la vie paraît tellement plus douce, plus facile. Fini l'austérité de l'entraînement. Il est si agréable de désapprendre des efforts ingrats, de ne plus souffrir les mains crispées au guidon. Mais aussi le crabe a mis Charles sur le flanc. Ce n'est plus un coureur cycliste, c'est un fer à repasser. Je rêvais de beaux titres dans le style, encore un Pélissier vainqueur, mais c'est Charles. Et je suis devenu celui par qui le scandale arrive. Ma sainte mère est horrifiée. Henri et Francis m'accablent de leur sarcasme, me demandant de choisir une bonne foi entre coureur cycliste et macro-mondain. Après chacune de mes défaites, chacun de mes abandons, je m'emporte contre moi-même et contre Léon. Je me fustige, je me cuirasse de belles résolutions. Je me jure d'en finir avec elle et je fonce.
Elle m'attendait, elle m'emprisonne dans ses bras, me fait basculer et je cède. La cuirasse tombe, le reste suit. C'est de nouveau l'embrasement de nos sens. Ah, elle est belle, la légendaire volonté des pélissiers dans ces moments-là. Dans le circuit de Paris, une fois de plus, j'ai été cueilli par la défaillance. Charles tient une paire d'avirons qu'un enfant pleurerait, a écrit un journaliste. Oui, je rame, et de plus en plus, je suis emporté par le courant, et je me demande bien comment cela va finir. Il importe surtout de ne pas être rejoint par Bottecchia et à l'avoine avant le pied de l'isoard. Mais Francis, où est Francis? Informé de mon plan, il aurait dû se tenir à mon côté. Des crevaisons ou un incendie mécanique ont dû le retarder. J'aborde avec prudence la descente d'Alos, la plus dangereuse de toutes celles du Tour sans doute. Les avalanches de surcroît ont balayé en mains endroits le méchant garde-fou en fer qui protège le vide pendant une quinzaine de kilomètres sur le côté droit de la route. De toute façon, je ne dois pas perdre de terrain sur Bottecchia, derrière, assez craintif dans les descentes. Francis se pointe enfin, avec Lucien Buys, Tiberghien, le Suisse collé, et le brave Arsène Alencourt, citoyen de Clichy. Tout penaud, Francis. Il bagnaudait à l'arrière du peloton quand j'ai démarré. Mon air innocent l'avait abusé comme les autres, et il croyait que j'avais modifié mes plans. Comme il a mauvaise conscience, il y va de bon cœur pour se faire pardonner et mène des relais fantastiques dans le secteur entre Barcelonnette et Guillestre. Et le grand m'a livré au bas de l'Isoard avec une belle avance sur Bottecchia et à l'avoine. C'était l'essentiel. Il a alors pu se relever. Je n'allais plus avoir besoin de lui. C'était à moi de jouer. J'ai franchi la ligne d'arrivée sur le champ de Mars de Briançon à 16h45. Le soleil encore haut dans le ciel. 5 minutes 28 secondes plus tard se présentait Lucien Buys, puis venait avec 18 minutes 24 secondes Alencourt et Tiberghien ensemble. Le retard d'Alavoine, 5e, était de 26 minutes 58 et celui de Bottecchia, 12e, de 41 minutes 48 secondes. Je prenais le maillot jaune avec 11 minutes 25 d'avance sur Alavoine et 13 minutes 16 sur Bottecchia. Pour nous, les pélissiers, cela a été la voie triomphale jusqu'à Paris et le délire le jour de l'arrivée au Parc des Princes. Le toit du buffet chargé de resquilleurs qui s'écroule, la pelouse envahie, Jacquinot qui fait des moulinets avec un boyau pour écarter la foule, des exaltés qui m'arrachent et manquent de m'étouffer en voulant me porter sur leurs épaules. On n'avait pas vu cela depuis le retour de mon ami Georges Carpentier des Amériques, quand il était devenu champion du monde des poids lourds. Mon cher vieil ennemi Henri Desgranges, éperdu d'admiration. La première victoire française depuis celle de Gustave Garrigou en 1911. Les Belges enfin mis au pas. Henri Desgranges, après tout, pourrait dire merci aux pélissiers. Mais qu'ils ne se fassent pas trop d'illusions. Ce que j'ai fait, je ne suis pas prêt de le refaire. Je serais très surpris qu'il nous revoie dans son cirque. Albert Londres, 30 juin 1924. Ce matin, nous avions précédé le peloton. Nous étions à Granville et 6h sonnaient. Des coureurs arrivaient et la foule sûre d'elle cria « Henri, Francis !» On attendit. La deuxième catégorie passée, les ténébreux passés. Les ténébreux sont les touristes routiers, des petits gars courageux qui ne font pas partie des grosses maisons de cycle, ceux qui n'ont pas de boyaux mais du cœur au ventre. Ni Henri ni Francis ne paraissaient. La nouvelle parvint enfin. Les pélissiers ont abandonné. Nous retournons la Renault et sans pitié pour les pneus, nous remontons sur Cherbourg. Les pélissiers valent bien un train de pneus. Coutances ! Une compagnie de gosses discute le coup. « Avez-vous vu les pélissiers ? Même que je les ai touchés, dit un morveux. Tu sais où ils sont ?
au café de la gare, tout le monde y est. Tout le monde y était. Il faut jouer des coudes pour entrer chez le bistrot. Cette foule est silencieuse, elle ne dit rien, mais regarde béante vers le fond. Trois maillots sont attablés devant trois bols de chocolat. C'est Henri, Francis, et le troisième n'est autre que le deuxième, je veux dire Mauriceville, arrivé deuxième au Havre et à Cherbourg. Un coup de tête ? Non, dit Henri, seulement on n'est pas des chiens. Que s'est-il passé ? Question de bottes, ou plutôt question de maillot. Ce matin, à Cherbourg, le commissaire s'approche de moi et sans rien me dire, il me relève le maillot. Il s'assurait si je n'avais pas deux maillots. Que diriez-vous si je soulevais votre veste pour voir si vous n'avez pas une chemise blanche ? Je n'aime pas ces manières, voilà tout. Qu'est-ce que ça pouvait bien faire que vous ayez deux maillots ? Je pourrais en avoir 15, mais je n'ai pas le droit de partir avec deux et de n'arriver qu'avec qu'un. Pourquoi ? C'est le règlement. Il ne faut pas seulement courir comme des brutes, mais geler ou étouffer. Ça fait également partie du sport, paraît-il. Alors je suis allé trouver des granges. Je n'ai pas le droit de jeter mon maillot sur la route, alors... Non, vous ne pouvez pas jeter le matériel de la maison. Il n'est pas à la maison, il est à moi. Je ne discute pas dans la rue. Si vous ne discutez pas dans la rue, moi je vais me recoucher. On arrangera ça à Brest. À Brest, tout sera arrangé, puisque je passerai la main. Et j'ai passé la main. Et votre frère ? Mon frère et mon frère. Pas vrai, Francis ? Et ils s'embrassent par-dessus leur chocolat. Francis roulait déjà, j'ai rejoint le peloton et j'ai dit « Viens Francis, on plaque !» Et cela tombait comme du beurre frais sur une tartine, dit Francis, car justement ce matin, j'avais mal au ventre et je me sentais pas nerveux. « Et vous, Ville ?»« Moi, répond Ville qui rit comme un gros bébé. Ils m'ont trouvé en détresse sur la route, j'ai les rotules en os de mort. Les pélissiers n'ont pas seulement des jambes, mais de la tête, et dans cette tête, du jugement. « Vous n'avez pas idée de ce qu'est le Tour de France, » dit Henri, « c'est un calvaire !» Et encore, le chemin de croix n'avait que 14 stations, tandis que le nôtre en compte 15. Nous souffrons sur la route, mais voulez-vous voir comment nous marchons ? Tenez ! De son sac, il sort une fiole. Ça, c'est de la cocaïne pour les yeux, et ça, du chloroforme pour les gencives. Ça, dit Ville en vidant sa musette, c'est de la pommade pour réchauffer les genoux. Et des pilules ? Vous voulez voir les pilules ? Ils en sortent trois boîtes chacun. « Bref, dit Francis, nous marchons à la dynamite. » Henri reprend. « Vous n'avez pas encore vu au bain à l'arrivée. Payez-vous cette séance. La bouauté, nous sommes blancs comme des suaires. La diarrhée nous vide. On tourne de l'œil dans l'eau. Le soir, à notre chambre, on danse la gigue, comme Saint-Guy au lieu de dormir. Regardez nos lacets, ils sont en cuir. Eh bien, ils ne tiennent pas toujours, ils se rompent. Et c'est du cuir tanné, du moins on suppose. » Pensez ce que devient notre peau. Quand nous descendons de machine, on passe à travers nos chaussettes, à travers notre culotte. Plus rien ne tient encore. Henri Pélissier s'était arrêté de courir à 40 ans, une limite d'âge extrême pour un champion. Il devint conseiller technique d'un club amateur, le Club Sportif International, et commença une carrière de pacemaker dans les épreuves sur piste, derrière grosse moto. On gardait l'impression à travers tout cela qu'il n'arrivait pas à se réadapter vraiment à une existence nouvelle, à se recycler comme l'on dit aujourd'hui, alors que les compétitions cyclistes avaient été sa raison d'être depuis l'âge de 15 ans. Son énergie si nerveuse n'avait plus d'exutoire, sa volonté de gagneur plus d'objectif. Là-dessus, la fatalité frappa une première fois. Vers la fin de l'année 1933, son épouse Léonie, Nini pour les proches, si amoureuse de la vie pourtant si gaie et primesautière, se suicidait. La peine d'Henri fut immense. Il aimait Nini sincèrement. Henri mettait un orgueil farouche à cacher ses émotions profondes. Il se voulait dur et indestructible. Il eût jugé comme une faiblesse impardonnable de se laisser aller à extérioriser les élans de son cœur. Il s'était forgé une cuirasse, dès son plus jeune âge, dans les impitoyables affrontements qui le dressaient contre son père. Et c'était plus fort que lui. Il ne la quittait pas toujours quand il était en toute confiance, pourtant, avec des êtres chers. Nini, hélas, s'y trompa peut-être. Henri en fut profondément marqué, son humeur s'en ressentit, il devint plus irritable encore. Mais où trouver l'évasion ?
Le champion qui se résigne mal à voir s'enfuir sa jeunesse recherche la jeunesse et l'adulation. À 46 ans, Henri vivait avec une jeune femme, Camille dit Millette, de 20 ans sa cadette. Et ce fut là le second drame. Le 1er mai 1935, dans le pavillon de Feucherolles, une violente dispute éclate entre eux à propos de la jeune sœur de Millette. Ils se trouvaient alors dans la cuisine. Millette, affolée, croyant sa sœur en danger, courut chercher un revolver. Elle tira 5 fois. Une balle atteignit Henri à la carotide, le tuant sur le cou. Le revolver était celui avec lequel Nini s'était suicidée. Camille fut condamnée à 1 an de prison avec sursis le 26 mai 1936. L'acquittement fut refusé de justesse.